Mesdames, Messieurs, nous voici à l'Auditorium Saint-Laurent, transformé en musical, où artistes et artisans des 5 premières années de la télévision se sont donné rendez-vous. Le grand spectacle à l'affiche Variété anniversaire, avec deux animateurs, Michel Tisser et Jacques Normand. Je crois qu'il reste encore quelques bonnes places, alors si vous voulez bien, suivez-nous. Cinq ans, je travaille là. Je vous dis que j'en ai vu des artistes. Ceux qui ont rentré, je les connais par cœur. Je les connais tellement, hein, que je peux toutes les imiter. D'ailleurs, je me suis préparé un numéro qui va les surprendre et qui va vous tuer. Bonsoir, madame. Bonsoir, monsieur Guérard. Arrivé l'air de Roma, goodbye et au revoir. Bonsoir, mesdames, mesdemoiselles, messieurs. Bienvenue à Variété anniversaire. Maintenant, c'est la section des variétés qui prend la vedette. Nous voudrions vous donner un aperçu de ce que nous avons fait depuis 5 ans sur les ondes de Radio-Canada et la télévision dans le domaine des variétés. Naturellement, dans 5 ans, j'ai fait beaucoup de choses. Nous n'aurons pas le temps de vous montrer tout ce qui s'est fait. Je pense que nous avons quand même ici de quoi vous donner une impression assez nette, une bonne image en tout cas, une rétrospective de ce qui s'est fait depuis 5 ans. Débuté, naturellement, c'était noir sur vos écrans, peut-être que c'était illuminé, vous avez vu plusieurs sortes de choses. La première émission de variété, du genre que nous allons vous présenter ce soir, s'appelait Café des artistes, avec mes camarades Lucille Dumont, Gilles Pellerin. Mais je crois que tout d'abord, nous allons aller régler un petit problème. Il y a Lucille Dumont en ce moment qui boude là derrière, qui part dans un décor. Nous allons essayer d'aller la remettre de bonne humeur avec un souvenir de Café des artistes. Michel.
fait le ménage et quand tu lis, te tourne les pages. Qui c'est qui te fait les mains? Hein? Qui c'est qui prépare ton bain? Là. Qui fait sauter les crêpes, Suzette? Moi. Moi. Qui fait la ville à bicyclette? Moi. Moi. Qui fait la queue pour les emplettes et qui c'est qui va expédier tes aides? Hein? C'est moi, c'est toujours bon, moi. Bon, attends. T'auras beau faire, t'auras beau dire, toi, toi. T'auras beau fuir, t'auras beau rire, toi, toi. Tu ne trouveras jamais personne qui te cajole, qui te console, qui chanterait dans les coups pour mériter ton amour. T'auras beau faire le tour de la terre, toi, toi. Oui. Épouser toutes les milliardaires, toi, toi. Tu t'ennuieras de ton caniche qui te faisait les yeux de biche. Toi, toi, toi. Tu reviendras dormir sous mon toit. Représentants de Point-la-Rousse, Pierre Thériault et Charles Danford. Il manque une troisième personne. Oui, mais malheureusement, Pierrette est retenue à la maison. Enfin, mais enfin question de famille, voilà. Mais oui, malheureusement, Pierrette a changé. Je crois que nous ne pouvons pas vraiment regretter son absence, puisqu'elle est due à la naissance d'une belle grosse fille de 9 livres ce matin. Sans blague, enfin, bravo. Bonne chance, Pierrette. Vous allez chanter, si, les si, deux. Si, à toi la chance d'abord. Allez, vous venez d'enregistrer, je crois, Charles. Oui. Une de mes compositions, ce soir, c'est Yo. Oh là là, c'est du charme. Oui. Ce soir, je veux chanter seul avec toi. Señorita, ce soir je joue ma vie sans regret sur un baiser. Le jour s'éveillera entre nos bras. Danse, danse, ce soir. Et puis toujours, señorita. C'est sérieux, ça? Vraiment irrésistible. Et vous, Pierre, vous pensez que vous allez vous en tirer comme ça sans rien chanter? Moi, je chante. Oh, oh, mais c'est formidable, ça. Formidable. Ça c'est formidable, oh ça c'est merveilleux, ça c'est un coup de peine du tonnerre de Dieu, oh ça c'est une aubaine, ça c'est mieux que bon, ça c'est un coup de veine, une explosion, mais c'est autre chose aussi, de plus doux, de plus tendre aussi, quelque chose de beaucoup plus âpre aussi, qu'on ne peut appeler ainsi, oh. Ça c'est une aubaine, ça c'est plus que bon, ça c'est un coup de veine. Je suis chéri, je suis mon loup, je suis amoureux, amoureux de vous. Formidable! Un des couples les plus populaires des ondes canadiennes à la télévision, avant à la radio, Robert Lherbier et Roland Desormeaux. Je suis malheureux de vous présenter Robert Lherbier tout seul. Il va nous expliquer pourquoi Roland n'est pas ici ce soir. Ben, moi, si, c'est très simple. C'est que nous attendons pour octobre un nouvel herbier dans notre jardin. Ah, et vous appelez ça, c'est très poétique, c'est tout ça. Bon, alors voyons si tout le monde est du même avis. Alors ce soir, comme Robert Lherbier est tout seul pour défendre les armes de la famille, il va vous chanter une chanson qu'il vient d'écrire sur un thème de folklore. Robert Lherbier. Danse, danse. Danse, danse, dansez gaiement. Danse, 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 dansez souvent. Danse, 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 dansez tout le temps. Et restons jeunes comme à 20 ans. Pour aller danser, il faut être accompagné de sa petite amie que déjà l'on s'est choisi de la garder jalousement. C'est beaucoup plus prudent, surtout si trop jolie.
Elle fait qu'on vous envie dans cette ensemble des mains, des restons jeunes longtemps. La 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 la. Pour aller danser, il faut être accompagné de sa petite amie qu'on veut garder pour la vie entre deux petits pas. Beco compose la Beco subito, rythme calypso dans ses dansons gaiement. Et restons jeunes dans 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 dans. Jean-Laurent Guérard, qui est avec nous ce soir et que vous aurez l'occasion d'entendre chanter plus tard dans l'émission, a fait partie de plusieurs séries à la télévision. Une entre autres que nous avons remarqué et où vous chantez des chansons Chitane. Zigane. C'était le titre de la série, chanson de Zigane. Vous étiez, je pense, avec Irène Andriane. C'était votre première expérience, je pense, dans ce genre de musique. Plutôt légère, oui. Est-ce que c'était amusant pour vous? Ah, très, très amusant. Eh bien. Oui, bon, vous adaptez très bien. Vous êtes une musique américaine, pour ça, on donne Giovanni, c'est pas ça. Eh bien, voici ce soir un extrait d'un des programmes de la série Chanson de Zigane avec Irène Andriane. Danse, danse, mon beau cavalier. Danse, mon beau cavalier, vois qui nous arrive par ce soir des fêtes. Si tu sais bien m'enlacer, dans tes bras nerveux, ma taille va plier. Fais-moi faire mille, mille tours. Mais pourquoi me parler d'amour? Danse, 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 danse l'air vainqueur. Mais n'écoute surtout, verrai-moi conquête. Si je perds parfois la tête, comme jusqu'ici je n'ai donné mon cœur. Un danseur n'a pas d'importance. Aujourd'hui c'est toi, demain un passant. Ce que j'aime, vois-tu, c'est la danse. Pour cette folie qu'elle met dans mon sang. Danse, ma bonne cavalier, toi qui dois partir de mes délores. Dans tes yeux je vois briller l'aveu d'un désir que tu voudrais crier. Ne dis rien, je n'écoutais pas. Serrez-moi plus fort dans tes bras. Danse, 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 danse l'air vainqueur. Mais les croix surtout ferez-moi conquête. Danse, danse, danse encore. À peine parti, tu seras oublié. Comme le disait tout à l'heure mon camarade Jacques Normand, il est malheureusement impossible pour nous de nous arrêter à chacune des émissions de variété qui ont été créées depuis le début de la télévision. Toutefois, nous tenons à en souligner quelques-unes qui ont particulièrement retenu l'attention. Quelques-unes, par exemple, hors série, comme celle pour les certificats d'épargne du Canada, ou le Téléthon qui dure à 19h, ou le Noël des artistes qui peut présenter deux années de suite, ou les émissions spéciales pour la campagne de la Plume Rouge. Maintenant, quant aux séries, eh bien, mentionnons Télescope, À la bonne étoile, Les jeunes années, Feuille au vent, Tourbillon, Vive la compagnie, et Reflet, où nous pouvions applaudir Pierre Thériault et la belle diseuse Lise Roy. Un jour tu verras, on se rencontrera quelque part, n'importe où, guidé par le hasard. Nous nous regarderons et nous sourirons, et la main dans la main, par les rues nous irons. Le temps passe si vite,
Le soir cachera bien nos cœurs, ces deux voleurs et qui gardent leur bonheur. Puis nous arriverons sur une place grise où les pavés seront doux à nos âmes grises. Il y aura un bal très pauvre et très banal sous un ciel plein de bruit et de mélancolie. Un aveugle jouera de l'orgue de Barbarie. Cette terre sera pour nous le plus beau, le plus joli. Un jour, tu verras, on se rencontrera quelque part, n'importe où, guidé par le hasard. Nous nous regarderons et nous sourirons, et la main dans la main, par les rues, nous irons. Chef d'orchestre, je le vois pas. Michel Perrault? Oui, oui. Ça n'a pas l'air, c'est lui que je vois là-bas, non? En tout cas, si jamais c'était lui, il aurait vraiment beaucoup changé depuis le début de l'émission, je sais que c'est pas les gens qui nous aiment bien disent qu'on vieillit très vieux et très vite dans ce métier-là, mais quand même. Alors, êtes-vous en forme, messieurs? Le hautbois est à la hauteur? Parfait, la batterie chargée? Les cymbales sont à leur poste. 1, 2, 3, 4, 5. Bon, messieurs, nous sommes prêts. Je bats deux temps pour rien. C'est-à-dire que vous ne serez pas payés pour ces deux temps. Allons-y. 1, 2. Suivez-moi. Tous les traits de ce charmant personnage
fin 19e siècle, 1880 quelque chose exactement. 82. Vous avez sans doute reconnu le Sieur Lionel Daunet qui termine dimanche prochain une série magnifique d'opérettes. Et là. Félicitations à vous et à toute la troupe. Et venez que je vous présente Michel Piter. Excusez-moi, monsieur Daunet. Mais quand on parlait tout à l'heure d'avoir perdu un chef d'orchestre, mais il faut bien pire, vous. Alors, qui vous arrive? Eh bien, ne me faites pas rire, c'est tragique. On vient de se sauver avec toutes les recettes de la caisse. Ah bon? Pardonnez-moi pas tout de suite, j'ai l'impression que peut-être donner à quelque chose à voir avec ça. Vous pensez? Je pense. La prochaine est en fait. Les maraudeurs viennent de la prochaine. Oh là! La TV, c'est très pratique. Vous en conviendrez, y a rien de mieux que la TV. Pour tous les gens qui patiemment nous regardent, nous venons ce soir offrir une mise en garde. La télévision, c'est bien beau à regarder, mais vous admettrez que c'est parfois bien compliqué. Mon petit neveu qui va déjà à l'école, le soir venu devant la TV se colle. Son métier demandé, qui siégeait au Parlement? Il a répondu, ça doit être un survenant. À la TV, c'est très pratique. Pourquoi étudier, on apprend tout à la TV. Ma vieille grand-mère, qui est fervente de la lutte, a assommé un voleur, une vraie brute. Le gars tout surpris a eu les épaules collées. Elle lui a appliqué une prise de bras roulé. Mon petit beau-frère est très fier de sa famille. Ses trois enfants, on les gâte, on les gaspille. Quand son petit dernier a fini de faire sa prière, il dit maintenant... Et moi, tu commences à... À la TV, c'est très pratique. On est éduqué rien qu'à regarder la TV. Pom, pom. Yam, pata, pom. J'avais du fun à regarder Cléopâtre. C'était plus drôle que tous les téléthéâtres. Avec Jacques Normand, du plaisir, il y en avait. Ça valait bien mieux que la culture à coups de balai. Bien entendu, faut pas oublier les ploufles. Roger Le Nain, c'est un gars qui a du souffle. Tout comme Séraphin, ça va durer des années. Guillaume sera grand-père avant que ça soit terminé. À la TV, c'est très pratique. Vous en conviendrez, y'a rien de mieux que la TV. À la TV, c'est vraiment économique. On peut s'amuser même si le set n'est pas payé. Que vous travaillez comme ça tout le temps, autant comme perceur de contrebande. Non, coule sans tapage. C'est naturel, mon affaire. La romance, ça sert bien. Oui, ça reprend, monsieur. Allez, va avoir des obstacles. Et est-ce que vous serez intéressé? Vous avez vu mes boutiques là? Dans le moment, ça s'est intéressé. Oui, je vais vous en parler. Vous avez excusez-moi, hein. Vous en prie. Voilà. Souvent, femme varie, bien folle, et qui s'y fie. Je pourrais dire, comme François Ier, les deux cavaliers servants de la délicieuse Estelle Caron, qui a partagé la vedette avec l'un dans Silhouette et dont l'autre a été son partenaire dans la toute récente émission « Toi et moi en musique des rares paradis ». Silhouette, avec la nuit, vont s'enlacer à la... Silhouette au vent qui fuit semble danser. Elles s'en vont, oui, sur le chemin qui mène aux rêves. En cueillira jusqu'à demain, c'est pour nous deux. Et chaque étoile est un baiser dans leurs cheveux. Laissons-les fuir, mais si tu veux, unis
camarade Mario Verdon à chanson vedette. Cette chanson qui tenait à la 52e place depuis les 52 dernières semaines. It's parade. Et maintenant, montée en première place, puisque ce soir, c'est Yolande Guérard qui la chante. Une chanson populaire. Arrivederci Roma, Monsieur Guérard. Arrivederci Roma, goodbye, ce soir je pars. Sous d'autres cieux le destin m'appelle, et je te serai toujours fidèle. Je garde caché nos souvenirs au fond de moi. Arrivederci Roma, pour le temps je sais qu'un jour des millions de cloches à la ronde sonneront le plus beau jour du monde. Quand je reviendrai vers le bonheur, l'amour, la joie. Arrivederci Roma. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, maintenant vous présenter Colette Devlyne, une excellente viseuse canadienne qui a fait une série très remarquée à la télévision avec un groupe de jeunes très impressionnants aussi qui s'appelait les Collégiens Troubadours. Et cette série s'appelait Colette et ses copains. Colette et ses copains, c'est le premier trouvé. Je me souviens dans une émission un soir, vous chantiez une chanson qui parlait de quoi ça parlait? Ah, vous voulez parler de cette chanson? Vous savez, l'autre après que vous aviez chanté, j'ai trouvé ça formidable. J'avais écouté, j'ai dit, il faudrait qu'un jour je demande ça. C'est comme la vie, ça ne s'arrête jamais. Elle va, elle s'enfuit en mille reflets. Elle traîne des fleurs et des oiseaux morts. Elle n'a pas de corps, elle n'a pas de cœur. L'eau, c'est comme toi, quand on la saisit, on serre les doigts, mais elle est partie. Au bord de l'eau, il y a ceux qui rêvent. Au bord de l'eau, il y a ceux qui s'aiment. Au pied de l'eau, les chagrins passent comme les bateaux et tout s'efface au bord de Et voici Porte ouverte avec Jacques Normand, Gilles Pellerin, les Boulevardiers et Colette Bonheur. Par un beau matin du mois de mai, au violon des mesquimiers, au bras d'une perle en cheveux, dansait avec les fleurs des champs et son bras s'est à cœur content, comme le font les gens heureux. Et tant pis, tant pis pour toi, tu fais le froid. Et tant pis pour toi, comme racontait ma mère, c'est un rêve qui vient éclater sur la terre, et chacun devrait rêver. Et la Saint-Bonheur tourne, tourne, tourne les moulins. Et la Saint-Bonheur donne, donne, donne-moi la. Thank you.
chansons d'actualité sur les 5 ans de la télévision. Avec mon camarade M. Poirier, nous allons détruire la musique là-bas. Allons-y. Téléspectateurs, Dieu nous le pardonne. Tu étais tranquille, puis un jour, voilà, sans en demander l'avis de personne, nous sommes arrivés avec grand fracas, il y a 5 ans. Ce fut dans ta vie comme un vent d'espoir, et bien entendu que tu le veuilles ou non, tu vis comme tout le monde et tu viens t'asseoir devant un appareil de télévision, il n'y a pas si longtemps. Nous n'avons que 5 ans. Par un beau dimanche, dans la métropole, dans une grande famille, il y avait un conflit. La mère qui disait, faut coucher si folle. Ça fait déjà longtemps qu'il prêtait trop au lit. Il n'a que 5 ans. Faut l'instruire, cet enfant, répondit grand-mère. Il faut suivre, comme tout, la mode aujourd'hui. Qui regarde Sullivan ou Michel Tisser, même si après ça, il rêve toute la nuit, il a ses 20 ans. Même s'il a que 5 ans. Devant ses caméras aux yeux redoutables, une fois 19h, à Téléthon, nous sommes restés là. Je devais bien ça aux enfants malades. C'est tellement bon de pouvoir faire ça, c'est vraiment bien consolant. Et puis dans ce temps-là, il n'y avait qu'un canal, tout le monde le prenait, ça allait comme ça. Puis vint le gros 6, et c'est pas banal, même des canadiens peuvent regarder ça, c'est très inquiétant. C'est très inquiétant. Devant vos écrans, pas toujours d'accord, vous vous dites quand même qu'il pourrait se forcer, se donner plus de peine et faire un effort, afin d'arriver à nous contenter, c'est ce que vous pensez. 20 fois sur le métier, remets ton ouvrage, dit à vos jours le camarade Boileau. Admettez quand même, si on n'a pas l'âge, il s'est fait ici un sacré boulot depuis ses 5 ans. Bien, maintenant le plaisir de vous présenter notre portier, waiter, etc., 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 la vedette qui monte. Je vais vous prouver que je peux imiter tout le monde. Je vais vous imiter Gilles Pellerin. Oui, Gilles Pellerin, dans le premier monologue qu'il a fait à la télévision. Vous allez voir. Ah, je ne vais pas aller comme lui, en tout cas. Bon. C'est parce que... parce que quand la télévision a commencé il y a 5 ans, on voulait en avoir un, fait chez nous. Et Roland, c'est peut-être mieux d'attendre, mais ils vont prendre de l'expérience, ils vont s'améliorer à Radio-Canada. Fait qu'on a suivi les avis, puis on a attendu. Mais 3-4 jours après, là, Roland me dit, il n'y a pas de Guilly Galagne, il parle anglais couramment d'ailleurs. Et on va en acheter un. Ça fait qu'on a regardé dans les différentes annonces, dans les différents journaux, pour voir où qu'on trouverait la meilleure occasion. Ce qui m'a frappé, c'est qu'il marquait « Acheter toujours d'une maison reconnue et essentiellement canadienne-française ». Je suis allé au White Horse Furniture Store à côté. Je fais reconnaître. C'est un grand gars qui me répond. C'est Howell. Un anglais. Je parle un anglais courant. Je travaille tout. Ça. Parce que nous, c'est à sa finance qu'on achète ça, ça va là. Ça fait que, comme il nous expliquait, sa finance, il faut signer des papiers. Signé sur une croix. Un anglais catholique, je suppose. Fait que là, j'ai signé en duplicata ces 6 feuilles qu'il m'a donné. Sa finance, comme il m'a expliqué, ça montait à 13,18 par mois pendant 8 ans. Puis au bout de 8 ans, si tu as fait tes paiements comme il faut, sans rien manquer, la finance te donne une médaille, il ne te redonne jamais parce que tu te pognes. En tout cas, nous autres, on l'avait acheté, c'était pour les plouf. Parce que tout le monde disait que c'était bien bon, puis on ne l'avait pas vu. Fait que quand tu as installé le sang, ta maison s'est installée devant pour voir les plouf, il y avait la chasse même devant. Ça fait que là, ils ont annoncé du baseball. Le baseball, ok, je suis game. Il commence à bouiller. Il cancelle le baseball et il met un long métrage. Voyons, ça dure 1h30, ça fait là. 1h30. Avant, là, ça s'est allumé sur l'écran. Spectacle pour adultes. Moi, j'ai rien compris, mais les enfants ont eu un feu noir, eux autres, avec ça, eux autres. Hein? C'est pas mal, mon imitation. Ouais, ben, c'est pas bien réussi, vos imitations de pèlerin, vous. En tout cas, moi, je pose pas, monsieur. Café, une émission qui met en vedette Dominique Michel, Pierre Thériault et Normand Hudon, s'est conquis de nombreux admirateurs par son rythme impromptu, sa bonne humeur et son humour, que l'on pourrait peut-être appeler parfois un peu caustique. Voici Normand Hudon. Mesdames, Messieurs, bonsoir, bonsoir, mesdemoiselles. Comme nous célébrons ce soir le 5e anniversaire de l'avènement de la télévision au Canada, j'ai pensé refaire devant vous quelques dessins que vous avez semblé apprécier un peu plus que les autres depuis 5 ans. Monsieur Roger Barbeau, en 1952, m'a donné ma première chance à la télévision avec son émission Télescope. Et un soir, j'ai fait devant vous la caricature de Fernandelle. Grimace, grimace, ça c'est la moitié de son talent. Cocasse, cocasse,
s'est rendu célèbre par ses dents. On se lasse, jamais de le voir sur les écrans. Don Camillo, ou bien Ignace, il passe, d'un genre à un autre avec grâce. Fernandel, c'est un cheval charmant. À porte ouverte, j'ai pensé rendre hommage un soir à notre camarade Félix Leclerc en faisant sa caricature. Monsieur Félix Leclerc. Ce soir, mon petit bonheur, je chante aux Parisiens, venu entendre et voir Félix le Canadien. J'ai eu le grand prix du disque, avec moi mes souliers, et je le chante encore plus. Je suis très bien payé. Bonjour et assez de sous que je pourrais leur dire j'en ai marre. Je m'en retournerai chez nous en oubliant pas ma guitare. Pour un coup, y a changement, c'est le Canadien qui vient en France. Pour y gagner de l'argent et le ramener à Vaudreuil dans l'Anse. Francis Coleman, avec le petit café, m'a appelé à faire autre chose que de la caricature. Voici Tino Rossi. Deux cheveux plaqués qui brillent, chin-chin, une voix qui horrifie le chin-chin. Tout le monde connaît ce gars-là. Ah, une guitare dont il joue pas. Ah, et il chante au clair de lune, chin-chin. Pour la blonde et pour la brune, chin chin. Son nom rime avec nono. Pas Mariano, Rossi, Tino. Bravo Norman Hidalgo pour un sens d'humour qui va jusqu'au bout du crayon. Sensationnel. Eh bien, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, nous en sommes maintenant rendus à la plus grande émission de variété canadienne à la télévision, celle du dimanche soir, Music Hall. Music Hall avait une tâche assez lourde à remplir, celle de faire concurrence au réseau anglais qui, à cette heure-là précisément, le dimanche soir, présente la grande émission d'Ed Sullivan. C'était la bataille qui voulait entre David et Goliath, et non seulement Music Hall a gagné la bataille, mais a fait vraiment une figure internationale dans le Music Hall. Et je pense que nous devons rendre un spécial hommage à tous les artisans, à tous les artistes qui en ont fait partie. Et ce soir, il revient, je pense, à Michel Serre de vous présenter son émission musicale. C'est vraiment une grande joie pour moi d'être associée à musicale. Presque aussi grande que d'être avec vous ce soir, à vos côtés, pour cette émission. Mais savez-vous, nous avons de grandes vedettes qui ont tenu à venir partager cet anniversaire avec nous. La grande Edith et ses compagnons. Village au fond de la vallée, presque perdu, presque ignoré. Toi, fille et moi, garçon, nous veillerons sur le perron. En veillant sur le perron, par les beaux soirs d'été, tu me disais, c'est si bon de pouvoir t'embrasser, assis l'un contre l'autre, sans t'occuper des autres. On se faisait du plaisir en parlant d'avenir. Quand les gens de l'autre palier étaient prêts à entrer, il fallait se serrer pour les laisser passer. On était les derniers à aller se coucher. Les soirs n'étaient pas longs. En veillant
Allez, dites merci, cher Jean-Charles, cher Jean-Michel, cher Jean-Robert, cher Jean-Yolande, enfin, vous tous, chers compagnons, merci. Et voici maintenant où les Assyriens s'atteignent. Depuis 5 ans, la presse s'est souvent amusée à taquiner les gens de la télévision. Eh bien, ce soir, les gens de la télévision vont s'amuser à taquiner un peu, messieurs les journalistes, qui, nous l'espérons, rendront la chose comme nous l'avons prise nous-mêmes, car enfin, ne faut-il pas un peu de tout? Tous les matins, ton journal favori, oh là là, c'est magnifique. Et au courant de ce qui se passe dans la vie, oh là là là, ça c'est tonique. Lire son journal, votre tramway à midi, oh là là, c'est vite acrobatique. Si vous voulez savoir ce qu'on fait ici, on vous l'explique. À la police et je n'ai peur de rien. Tic-tac-tac, tic-tac-tac. Dans la nuit je me glisse suivant les assassins. Tic-tac-tac, tic-tac-tac. Je leur dis surtout avant de faire votre coup, donnez-moi une chance. Seul, il faut avant le grime de votre victime une photo d'enfant. Seul, si le crime est parfait, s'il n'y a pas d'assassin. Qu'est-ce que ça vous fait? Le journal en trouvera un. Pour allô police, il n'y a que la justice, il faut un coupable. Ce soit le coroner, le juge, l'enfanter ou même le constat. Bleu. Les ennemis du vice disent que le crime ne fait pas. Moi, allô police, je vous jure que je m'en plains pas. C'est du musical.